right here. Comme ça que mon Martin Pêcheur, il est pas beau le Martin Pêcheur. Fais tout. Reviens à zéro, ouais. Non, tu m'as rien dit. Non, non. D'où on vient, Philippe? À d'où on vient, bah, c'est clair. Quand j'arrive à Clermont-l'Hérault et au Salagou en 1975, eh bien, les chasseurs, ils chassent des perdrix rouges, des lièvres et des lapins. Et aujourd'hui, en 2008, on est à Saint-Privat, au pied du Larzac, et les chasseurs, l'année dernière, ils ont tué 150 sangliers. Et rien qu'avec cette considération ethnologique, historique, on peut dire que toute notre région a complètement été bouleversée depuis quelques décennies. On ne la reconnaît pas. C'est-à-dire que cette habitude humaine, en fait la chasse aux sangliers, c'est pas une chasse traditionnelle, c'est tout neuf. Ça correspond à une révolution paysagère, botanique, la faune, la flore, les gens, tout le monde a changé. Et aussi les paysages agricoles. Alors on a beaucoup parlé de l'exode rural, tout ça, la désertification des campagnes. Et puis on a toujours dit que le patrimoine, c'était les églises, les ponts, hein, le pont du Diable, l'abbaye de Saint-Guillaume-le-Désert, Saint-Michel-de-Grandmont, les églises de Clermont, le château de Clermont, de Montpérou. Puis on a un peu oublié que quand même... ceux qui avaient construit le midi méditerranéen de la France, bah c'était les paysans, c'était ceux qui ont, en 8000 ans quand même, hein, parce que depuis le néolithique, ils ont eu le temps de voir venir, ils ont transformé une forêt européenne, de chênes, de grands chênes, en des paysages. Donc les paysans font le paysage. Et ça... On s'est toujours occupé des nobles, des riches, des artistes, tout ça, à toutes les époques. Mais s'il n'y avait pas eu ces paysans qui avaient coupé les forêts, les moutons qui avaient brouté de l'herbe, les bergers qui avaient mis le feu au Larzac pendant des milliers d'années, ou dans la vallée de l'Hérault, ou autour du Salagou, tout ça, ben on n'aurait aucun paysage, on n'aurait pas de, notamment ces cailloux qu'on voit partout et qui font la beauté, l'identité de notre région. Si le Salagou n'était pas rouge, ben on irait voir ailleurs, hein, on irait en Arizona ou au Maroc voir les mêmes terrains rouges. Si le cirque de Mourez, il n'y avait pas de cailloux, ben on irait sur la Lune ou ailleurs voir des choses assez... assez fantastique, qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs, comme sur le Larzac, hein, les gros rochers autour du Kélar. Ben ça, c'est du travail d'homme. On se dit, ouais, c'est désertique, machin, c'est aride, c'est pas beau, tout ça, mais si, c'est beau. Dire que autant au 19e siècle, c'était un problème pour l'agriculture, l'érosion, les cailloux qui affleurent du sol, un sol un peu aride, un peu sec, autant aujourd'hui, si on n'avait pas toutes ces beautés minérales à montrer à l'Europe entière ou au monde entier, et même les gens d'ici, de Montpellier, de partout, eh ben, on serait recouvert de broussailles, recouvert de forêts. Et donc, ce patrimoine modeste, ce patrimoine rural, ce patrimoine forgé de toutes pièces par du travail, de la sueur, du sang, des larmes de paysans, d'agriculteurs, d'éleveurs méditerranéens, on est à peine en train de le découvrir. Et maintenant, on sait que les cabanes en pierre sèche, les terrasses de pierre un peu partout, à Péguérolles de l'Escalette, à Bédarieux, sur la Ramasse à Clermont, ça c'est du concret, c'est beau, et on sait tout de suite où on est. On peut dire, tiens là on est dans le sud de la France, c'est rouge, ben là c'est le Salagou, là c'est les cailloux de Mourez ou du Larzac, ou la vallée de l'Hérault. Hein, vers Péguérolles de Bouège, là-bas, c'est magnifique. Et si tout était couvert de broussailles ou de pin noir d'Autriche, comme on nous en a mis là depuis quelques dizaines d'années, depuis la dernière guerre mondiale, ben les pins noirs d'Autriche, ils sont en train de reconstituer une sorte de forêt du Jura ou des Alpes ou d'Autriche. Et on se demande franchement si cette mondialisation dont on nous parle aujourd'hui, elle n'a pas commencé à l'époque où on plantait n'importe quoi, n'importe où.
À l'époque, effectivement, on se disait, ben ouais, on a manqué de forêt pendant des siècles, donc on va mettre de la forêt. Alors on a planté des cyprès d'Arizona bleus, des pins de partout, alors qu'il n'y en avait pratiquement jamais eu dans la région du Languedoc. Des pins des Alpes, sur le Larzac. Alors ce Larzac dont l'identité, c'était quoi? C'était les cardabelles, les moutons, les milliers de petites espèces de plantes qu'on y trouve et qui font toute son originalité biologique, puis aussi ces grandes perspectives qui plaisent aux randonneurs, aux touristes, à tout le monde. Ben, le jour où c'est sous les genêts, où c'est sous le buis, où c'est sous la forêt de pins noirs d'Autriche, ben, il n'y a plus rien. Donc les oliviers y crèvent, les amandiers y crèvent, on voit plus les terrasses, on voit plus les capitelles, les cabanes en pierre, on voit plus le rocher, parce que ce rocher, il était apparu à la préhistoire parce que l'homme avait découvert la broussaille, découvert les forêts. Et si on n'a plus de rochers, ben on ne sait plus où on est. Donc quand on voit maintenant les Cévennes méridionales, le Larzac méridional, la plupart de nos avant-monts, ils sont tellement couverts de forêts à 70-80% parfois que ben on ne sait plus si on est en Suède, en Bavière, en Angleterre ou dans le sud de la France. Voilà, on a des forêts un peu mondialisées, c'est un peu le Disneyland des forêts maintenant, on sait plus. Donc, plus de paysages parce que l'homme ne le travaille plus ou beaucoup moins qu'avant, plus d'endroits très identitaires, et maintenant justement on s'accroche, mais un peu tard, parce que le jour où il va falloir rééclaircir tous ces paysages, réouvrir toutes ces perspectives, ben, ça va demander un travail considérable. Et on va se demander comment on va accomplir ce travail. Est-ce qu'on va sponsoriser ou subventionner 10 000 troupeaux, par exemple, dans le département de l'Hérault? On sait très bien qu'on n'a pas les moyens. Est-ce qu'on va employer 40 000 emplois jeunes avec des tronçonneuses pour essayer de retrouver un peu ces valeurs du passé, cette lumière? Alors ici, ce n'est pas la lumière provençale comme Cézanne sur ses peintures à la fin du 19e. C'est une lumière que le rocher calcaire à Saint-Guilhem, le rocher rouge, le rocher blanc, le rocher noir, on a des roches de toutes les couleurs ici, c'est une des régions d'Europe les plus riches en matière minérale, hein, de toutes ces cailloux de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et c'est avec ça qu'on peut faire des cartes postales, des bouquins, des circuits touristiques. Et c'est assez incroyable de dire que le rocher, c'est du patrimoine. C'est pas du patrimoine parce que c'est la nature qui l'a fait, mais c'est du patrimoine parce que c'est l'homme qui est allé chercher sous la terre et sous les forêts ces rochers qu'il a mis en valeur avec son travail. C'est pas beau la vie? Alors, voilà, d'où on vient? Ben, on vient d'une civilisation de lumière où l'homme méditerranéen, il travaille en plein soleil et puis il nous sculpte des perspectives. Et en plus de ça, sans le savoir, il nous crée la biodiversité, hein, l'endroit en France où il y a le plus de plantes, où il y a le plus d'animaux différents, extraordinaire. Et une faune pratiquement africaine, la couleuvre de Montpellier, c'est un serpent africain, les scorpions du Languedoc, c'est un scorpion qu'on trouve en Algérie ou au Maroc, tout ça. Et bien sûr, alors c'est pas les serpents et les araignées, tout ça qui sont intéressantes. C'est le fait que les paysages qui accueillent ces animaux ont été fabriqués par l'homme et qu'il n'y aurait pas une belle nature méditerranéenne sans ces paysans. Donc aujourd'hui, si on reconstruit ou on restaure une église tous les 100 ans, mettons, parce que ça s'use pas vite, eh ben le paysage, il faut s'en occuper tous les ans. Et il faut couper la broussaille, il faut empêcher toutes les richesses patrimoniales d'être engorgées sous la broussaille ou sous les jeunes forêts. Et parce que ça embête vraiment tout le monde. C'est-à-dire que personne ne va venir passer ses vacances à l'ombre dans une forêt de chênes verts, hein, ou de pins, parce que bon, ben, on ressortirait tout blanc. On voit rien, on voit pas les lointains, on monte sur une colline, on voit pas la mer, on voit pas le pic Saint-Loup ou les Pyrénées. Pourquoi? Ben parce qu'on a de la forêt tout autour. L'Odève est complètement enclavée dans de la forêt. À part le sentier du Grésac qui est en train d'être mis en valeur avec ses capitels, ses dolmens et tout ça par les associations, eh ben l'Odève, c'est un gros entonnoir de forêt, on ne peut pas rentrer dedans. Donc c'est bloqué dans la forêt.
Saint-Étienne de Gourgas, Soubès, Saint-Privat, tout ça, on en est à 70-80% de forêt. Et notre civilisation de Méditerranéen, eh ben, elle est en train de disparaître à l'ombre. Voilà, et maintenant le sanglier, le chevreuil et les écureuils, ça a remplacé tout ce qu'on avait d'identitaire et de méditerranéen à montrer à tout le monde. Voilà, alors où on va? Ben, c'est à nous de le décider, parce que justement, c'est à nous de savoir si on veut travailler ou si on veut abandonner tout ça et redevenir des Celtiques, un peu comme Obélix en train de chasser les sangliers à l'ombre. Alors que, bah, je sais pas si on est plutôt fier ou pas d'être méditerranéen, mais en ce qui me concerne, même si j'ai pas l'accent, je pense être plutôt d'ici et adorer cette région pour tout ce qu'elle a à nous montrer et tout ce que les hommes lui ont donné. Voilà. Donc la nature ici, c'est l'homme. Pas d'homme, eh ben, on se retrouve en Bavière et bon, a priori, on va pas passer nos vacances en Bavière, on préfère les passer ici. Donc dans un joli paysage, très riche et très humanisé. Hein, si l'homme s'en va, ben, ça sera banal, ça sera standard, ça sera mondialisé. Puis bon, il y aura plus les touristes et les visiteurs n'auront plus rien à faire ici. Hein, le jour où le Salagou est ouvert et que Mourez est noyé sous les pins, eh ben, on ira au Maroc, on ira en Australie, on ira en Arizona, mais on n'ira plus dans la région. Et comme c'est notre dernière ressource économique forte, hein, les visites, le pittoresque de nos paysages, on n'a pas beaucoup d'industrie. Hein, bon, la situation économique mondiale n'est pas terrible. Donc, si en plus on se tire une balle dans le pied en ne respectant pas les paysages patrimoniaux et pittoresques, eh ben, on va à la catastrophe. Donc, au boulot, et il faut vachement réfléchir à ça pour essayer de nous construire un avenir qui ressemble à quelque chose.